C'est bon. Bonjour Grade 8, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons étudier Bajj 103. Bajj 103, c'est une leçon de grammaire sur leçon 3. Bajj, leçon de grammaire sur leçon 3. Relie les questions de l'exercice Tawa et associe de l'exercice Tawa. You have exercise 3. Let's back to exercise 3. OK, un match. Quelle est l'alimentation l'ours à lunettes de l'ours à lunettes? Quel animal vit dans la mer? Ressemble à un poisson, mais n'est pas un poisson. Quelles sont les particularités des tortues laiteuses? Quel animal aime faire de l'escalade sur les arbres? Yani, read the page 103, exercise 3, exercice 1. Read them again and match. Quelle est l'alimentation de l'ours de Alinette? Quel animal vit dans la mer? Ressemble à un poisson mais n'est pas un poisson. Quelles sont les particularités des tortues laiteuses? Quel animal aime faire de l'escalade sur l'arbre? Give un numéro 1. Quel, which will take which one? Quel avec numéro 2. Quel animal? D'accord? Right. Quel masculin, pour le féminin avec le double L, avec double L, quel alimentation, quelle alimentation, numéro 3, d'ailleurs, numéro 5, quel, avec S, animaux, avec 1, quelle particularité, avec 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 et 4. D'accord? Let's read. Quel. The same pronunciation for the four words. But it's not the same usage. Not the same use. You can't use all of them in one word. On each one matches with a sentence, okay? Quel, numéro 1, quel, numéro 1, avec nom masculin singulier. Quel, numéro double, avec double LE, avec nom féminin singulier. Quel, avec S, avec nom masculin pluriel. Masculin pluriel. Quel, avec double LES, avec nom féminin pluriel. D'accord, nous avons quatre formes du mot quel. Quel masculin, quel féminin, quel masculin pluriel, quel féminin pluriel. Any quel? What's the meaning of quel? Quel. Its interrogative word means which. Which. Which animal do you like? Which fruit do you eat? Which place does this animal live? Which place does this animal live? Yes. Okay. Comme ça. Which animal like to eat fish? Which? In English it's one word, but in French it's more than one word. It's four words. Like this. D'accord? Okay, let's listen the... D'accord, bravo. طيب. Let's listen the video. I will show you the video about Ken. Thank you.
So why we use each one? Each one of these interrogative verbs should match it with the noun that it describes. It depends on the word that it describes, a description word for the noun. If the noun was singular, masculine singular, so use this skill. If we were talking about an apple, une pomme, this is a feminine singular noun. So we would find our feminine singular version of ten, and we would ask ten pommes. Which apple? If we were wondering about several books, maybe we would ask several books. We would ask which books. We would choose an masculine and a feminine form because the name of the book is masculine. We would ask a feminine form. Which books? And if we were to write a novel, we would write which books. D'accord, il va exercice 7. Ce sont des questions avec quelle, avec ses réponses. Quel animal préfères-tu? Quelle est l'alimentation de la tortue? It's like a conversation. Okay. Quel livre aimes-tu lire? Quelles sont les particularités de la tortue? What are particularities or features of the turtle? D'accord? Comme ça. Et les questions. Let's answer this question together. Quel ton animal préféré? Allez, Salma, Nada. Quel est ton animal préféré? Tell me which skill would we use. Animal, non masculin ou féminin? Quel, bravo Salma, quel, parce que le mot animal, c'est un mot masculin singulier. L'alimentation des tigres. Nagua? Salma, quel? Ah, Nagua? Quel? Féminin. Parce que l'alimentation, c'est un nom féminin singulier. D'accord? Animaux, en voie de disparition.
animaux dans elle. Hein? Nada? Nada Nagua? Allez. Ok, Salma, answer. Animaux. Quel? Parce que animaux, c'est un mot. Animaux, c'est un mot. Masculin, pluriel. Les particularités. Quelles sont les particularités des insectes? Les particularités des insectes. On a une particularité, c'est un nom féminin pluriel. Particularité féminin pluriel. Donc, on va utiliser bravo, Nada. Quel? Avec S. Parce que particularité, c'est un nom féminin pluriel. Le lieu, quel est le lieu de vie du coq? Le lieu de vie du coq. Nagua? Quel? D'accord. Le lieu, c'est un mot. Le lieu, c'est un mot masculin singulier. Donc, aujourd'hui, nous avons pris quel avec nom masculin singulier, quel avec nom féminin singulier, quel avec nom masculin pluriel, quel avec nom féminin pluriel. Et nous avons répondu aux exercices 6 et exercice 7 et notre exercice d'aujourd'hui. Votre devoir, c'est page 61 dans le cahier d'activité. Here, on va créer la fiche d'identité de ton animal préféré. Let's read what homework you have to do. Fais des recherches sur ton animal préféré. Make a search for your favorite animal. Complète la fiche d'identité de ton animal dans le cahier. You have some information about this animal that you prefer. Call in photo. Bring a photo and put it in your book, page 61. Sur un papier, écris une question sur ton animal and put a question for your animal, like quelle est l'alimentation de chat. Avec la classe, mélange des questions et jouez un quiz. You can make quiz with your class. Inch'Allah, il sera de même là. Noem, answer page 61, search for information about your favorite animal. Okay, and answer page 61, d'accord? Merci beaucoup, Grade 8, et au revoir, et à la fois prochaine, Inch'Allah. Au revoir.